Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPD a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est comme une place, il y a COP. Ah, ça, l'actualité, ça, on l'a battu à la news. Donc, la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fatshi et Kaka, avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire il n'y a pas d'élection, on continue avec l'élection. Bah, lors d'une interview sur... S'il n'y a pas d'élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place? C'était une démonstration de force vivement attendue par l'opinion. Et ce lundi 27 novembre 2023, au Lama, avec brio, le candidat président numéro 3, le chairman Moïse Katumbi Tshapwe, a plié la très énigmatique Bukavu et l'a mise en poche. Alors qu'une forte pluie avait précédé son arrivée, le peuple du Sud Kivu n'a pas bougé d'une semelle et l'a attendu pour clairement dire que c'est bien lui, leur choix. Des moments qu'il fallait voir, vivre, pour les croire. Une clameur assourdissante, des ovations à n'en pas finir. La victorieuse procession du chairman a pris la direction de la mythique place de l'Indépendance, où déjà l'attendait un monde fou, en liesse. Cette place qui se veut être l'unité de mesure de toutes les popularités de quiconque voudrait connaître son réel poids, à Bukavu. Le numéro 3 casse carrément la baraque et place la barre où très peu pourraient la mettre. Le temps s'est arrêté sur Bukavu. Toutes les oreilles prêtées au président Moïse Katumbi qui a livré un discours unique. We are home, we are home, we are home, we are home.
Quand le grand meeting prend fin, il a fallu patience et interminables heures pour que la circulation reprenne enfin ce droit. Prêtant au jargon populaire, quelqu'un a été entendu dire « Katumbi, qui es-tu ?» Mardi 28 novembre 2023, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, prend la direction de la ville de Kindu dans le Maniema, fief de son allié Matata Ponyo Mapon et de Salomon Kalonda Della, son conseiller spécial. Chaleureux, Kindu a de tout le temps été envers le chairman et ce jour n'a pas fait exception. Tel un interminable tapis, une foule immense et compacte s'est déroulée à travers toute la ville. Tout se passait bien, jusqu'au moment où l'intolérance s'est invitée au débat. Des gangs armés d'un parti politique au pouvoir ont pris la triste initiative de s'attaquer au cortège du président Moïse Katumbi, lançant violemment des pierres. La police jouant un rôle, on ne peut plus trouble, en tirant à balles réelles. Sur qui et pourquoi? Et c'est alors que survint l'innommable. Maître Dodo Kakisingi, patron de la Ligue des jeunes du parti Ensemble pour la République au Maniema, est lâchement tué, sauvagement lapidé et baignant dans son sang. Ce père de 5 enfants ne retournera jamais plus chez lui. La terreur s'empare de la ville
et la milice ne désarme pas. Malgré ce chaos, Katumbi ne recule pas et progresse droit vers le lieu de son meeting. C'est pendant ce temps que l'on s'aperçoit de ce qui arrive à la tribune qui devrait l'abriter. On le rend inutilisable en enlevant tous les carreaux qui le recouvraient. Pourtant, Matata Ponyo est celui qui le construit, autrefois. L'énorme procession arrive tout de même au lieu improvisé du meeting, en toute dernière minute. Le podium est juste fini d'y être installé. C'est la place Mapon, noire d'un monde fou, endeuillé, en colère. L'un de leurs vient d'être sauvagement tué, pendant que l'un de leurs leaders croupit en prison, sans raison. Un jour dont les souvenirs feront longtemps froid dans le dos. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tshapwe, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres. Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemie, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Et les Kalemiards le lui rendent tellement bien. Grand chef de Séperi Tumbo, Karibu, Karibu, Karibu. L'on se croirait en jour férié, alors qu'on est en pleine semaine de travail.
Ici, pas de jetons de présence, pas de mobilisation par force. On vient par amour, par conviction, parce que l'on sait qu'il est temps de tourner la page et de lire un nouveau chapitre d'espoir. La communauté internationale, la CENI et tout le monde devraient religieusement suivre ces images du rond-point qui s'est boué pour comprendre que le match est déjà joué. Ce qui se déroule devant vos yeux n'est pas une fiction. Katumbi est dans la ville. On ne compte plus les kilomètres qu'il parcourt à pied jusqu'au lieu de ses meetings. Ici encore, le peuple l'a suivi de l'aéroport à l'autre extrémité de la ville pour l'entendre dire l'évangile de la résurrection du Congo. Fin du meeting marqué par ces vertigineuses colonnes. Le ciel a pleuré toutes les larmes de son corps à travers une pluie à tout mouiller. L'argument n'était pas suffisant pour stopper l'avancée de la machine Katumbi vers Sobongo, Kamina, au cœur du Olomami,
bastion fort du Boulouba, ce jeudi 30 novembre 2023. La foule a tenu à réserver au numéro 3, le favori de la présidentielle en RDC, l'accueil qu'il mérite, lui qui marqua l'encre indélébile dans plusieurs domaines, le développement de cette contrée. Des choses que les habitants de Kamina n'oublient pas. Grande procession vers la tribune du meeting avec des personnes venues volontairement. Ici, pas de liste de présence, pas de recrutement forcé, pas de menace au travail. Katumbi débarque et le peuple suit. Le meeting est fort en symbole. Le gagnant des prochaines élections présidentielles s'adresse au peuple avec son cœur, avec une recette dont seul lui détient le secret. Au nom du grand et vaillant peuple Luba, le grand chef Kasongo Nyembo tranche et clôt le débat sur le numéro à glisser dans l'urne. Il remet au président Moïse Katumbi des symboles très forts du pouvoir. Thank you.
C'est par la sablonneuse piste de ce qui pourrait être appelé aéroport de Lodja que l'aéronef de l'infatigable candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi-Tchapwe, se pose à l'étape du Sankourou sur les terres de Patrice Emery Lumumba, les terres de Chérubin Okende Senga, les terres du juge Yanni, les terres de Franck Diongo Chamba, de Laurent Onyemba, ce vendredi 1er décembre 2023. Les Sankourois, dans leur plus grand nombre, ont investi les rues de la cité pour réserver à leur champion un accueil mémorable sur des kilomètres à pied. Le stade Lumumba de Lodja s'avère donc petit, contenir le peuple en liesse venu s'abreuver à la source Katumbi. Papa,
nakofuta parcelle nanga nga moko nakotonga ndako awa. Sur les terres de Otetela Kemafumbe, le numéro 3 marque une entrée réussie dans l'espace Grand Kassai, avant d'autres étapes. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Le PPB a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est comme une place, il y a COP. Ah, ça, la toilette, ça, on l'a battu, la news. Donc, la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fatih et Kaka, avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire, il n'y a pas élection, on continue avec l'élection. Bah, lors d'une interview sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place?